Ça, c'est la gare. Ce qui motive le plus, c'est d'être challengé. C'est vrai que faire partie d'un des plus grands projets d'Europe dans mon métier, c'est une chance. C'est vrai qu'au sein de la Société du Grand Paris, on se sent vraiment valorisé parce que depuis que je suis arrivé, on me fait vraiment confiance pour piloter mon sujet. Cette confiance, elle donne une motivation supplémentaire. Je partage une certaine exigence dans ce métier. L'opiniâtreté est une valeur importante pour la sécurité et pour la conception en sécurité des systèmes de transport. Je partage également la bienveillance, étant en interface avec plusieurs interlocuteurs. Cette bienveillance permet à la fois l'écoute et à la fois de faire adhérer tout le monde à la même vision pour porter ce dossier. À titre personnel, étant arrivé en plein confinement, dans un contexte d'une crise sanitaire, j'ai senti réellement une présence des différents collaborateurs, autant les collaborateurs proches qui m'ont permis de me mettre dans le bain et qui m'ont donné une vraie disponibilité, et que des collaborateurs externes qui m'ont montré qu'il y avait réellement un travail d'équipe pour porter jusqu'au bout ce projet. Pour ajouter, j'ai une anecdote assez intéressante. En regardant ces différentes interfaces, en communiquant avec ces différentes interfaces, j'ai été étonné. Je me suis dit, là où je suis arrivé, il n'y a que des gens hyper intelligents. Le petit plus, je dirais, pour m'aider dans mes missions, c'est mon background de chercheur. Ça m'aide à la fois de donner assez d'importance pour des détails, pour tenter de comprendre des phénomènes assez complexes, mais aussi avoir un recul nécessaire et un esprit de synthèse pour tenter d'appréhender des décisions qui parfois paraissent difficiles.